12 avril 1893, le jour où la célèbre Goulue inaugure l'Olympia. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. La belle époque bat son plein. Chaque soir, les théâtres, les bals, les cafés, les bordels de la capitale affichent complet. Parmi les reines de Paris, la plus grande, la plus scandaleuse, est une danseuse de French Cancan de 25 ans, la Goulue. C'est elle que choisit Toulouse-Lautrec en 1891 pour la faire figurer sur l'affiche du Moulin Rouge dont elle est la vedette. La Goulue est une femme bien en chair et toujours d'humeur joyeuse. Son franc-parler, parfois ordurier, séduit les hommes qu'elle croque à belles dents. Et pas toujours gratuitement. Le prince de Galles est de ses amants. C'est donc elle, de son vrai nom Louise Weber, que le patron du Moulin Rouge choisit pour être la vedette de son tout nouvel établissement sur les grands boulevards, l'Olympia. Le 12 avril 1893, après un numéro de chien savant et d'acrobate, la Goulue déboule sur la scène, entourée de son quadrille de danseuses, sans oublier son partenaire, Valentin le Désossé. Secouée par une formidable énergie, elle le décoiffe d'un coup de pied dans le chapeau, puis se laisse tomber sur le sol, faisant le grand écart, le buste droit. Elle se relève, c'est la fin de la danse, les danseuses tournent le dos à la salle, se baissent et montrent leurs culottes. Sur celle de la Goulue, il y a un cœur. Quand elle était plus jeune et dansait au Moulin de la Galette à Montmartre, elle n'hésitait pas à arborer une culotte fendue pour laisser voir un petit coin de paradis. L'inauguration de l'Olympia est un triomphe. Seulement le succès monte à la tête de la Goulue. 2 ans après l'inauguration de l'Olympia, elle s'installe à son compte dans une baraque foraine. Le succès n'est pas au rendez-vous. C'est le début de la déchéance. La jeune femme se fait dompteuse de lions. Devenue obèse, elle finira misérablement sa vie dans une roulotte. Une série réalisée par Megan Kieki.